Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Réveille-toi, réveille-toi. Mon amour, réveille-toi. C'est quelle façon ça? Comment tu me laisses là-bas dans la chambre? Tu viens t'étaler ici. Donc tu avais même sommeil. Oh mon père, j'ai pas dormi dans la nuit. Je sais que tu n'as pas dormi, ça tu ne peux pas me le dire. Et puis peut-être je me mets à nier. Parce que je t'ai vu, tu tournais là dans le lit toute la nuit, là. Je ne sais pas quel problème tu as. Et attends un peu, réveille-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Réveille-toi, assieds-toi. Regarde, tu me fais accuser un retard pratiquement de 45 minutes. Oh, je n'aime pas ça. Je t'ai dit Qu'est-ce que que j'avais. l'agent fait? Attends, je t'ai dit que j'avais rendez-vous ce matin. Un rendez-vous très important. Hein? Maintenant, tu me laisses rester ici jusqu'à ce moment-ci. Si je vais là maintenant, j'absente la personne, tu diras quoi? Hein? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et en passant, je t'ai déjà dit, je ne suis pas fier aussi d'une chose. Hein? Je t'ai demandé de mettre ton horloge. Tu vois, c'est maintenant que je constate que tu n'as même rien fait. Je t'ai dit de mettre le réveil pour que je puisse me réveiller, même ne serait-ce qu'à 5 heures là et que je sois parti. Je t'ai déjà dit que ça ne me fait pas plaisir de venir chez toi et que les voisins me voient le matin sortir et m'en aller. Ça fait bizarre. Papa, l'opinion des voisins, est-ce que ça m'intéresse? C'est toi qui payes la maison, sinon. Payer la maison n'est pas un problème. C'est quoi? Je suis Ce un qu'ils homme. vont dire là, ça ne Je me suis fait ni chaud ni désolé. froid. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est ta maison. C'est toi qui la payes. Si du jour au lendemain, tu décidais de ne plus la payer là, j'aurai encore la maison. Mon amour, mon problème n'est pas à ce niveau. Je suis en train de te dire ceci. Je suis un homme d'honneur, un noble Evono. Tu comprends? Un homme d'honneur. Alors, c'est vrai, c'est moi qui paye cette maison. Mais je ne vis pas ici. C'est toi qui étais venu prendre la maison. On sait que c'est toi qui vis là. Alors, quand on me voit sortir le matin, tu sais ce que les gens racontent? Hein? C'est ma réputation qui est ternie. Qu'ils racontent ce qu'ils veulent raconter. Mon problème là-bas dans ce lequel. Je ne voudrais pas qu'on me confronte, qu'on se dise peut-être que je vis sous la botte d'une femme, que je viens dormir chez une femme et tout. Je suis quand même Rob le Grizzly. Quand même. Hein? Mon nom, je ne dois pas le traîner dans la gadoue. Après, je suis fatiguée. Je suis Tout fatiguée. compte fait, bon, voilà. Moi, tu parles d'être fatigué même. Je te trouve bizarre depuis que je suis arrivé. Hein? J'ai réfléchi toute la nuit. Oui, je suis même surpris de te trouver endormi là parce que moi, à chaque fois que je me réveillais, je te trouvais éveillé. Je ne voulais juste pas te poser des questions, mais je me demande, c'est comme si tu as un esprit tourmenté, c'est comme si quelque chose t'enquiquine au point où tu n'arrives pas à dormir. Qu'est-ce qui ne va Sérieusement, pas? on n'appelle même pas ça être tourmenté. Je suis persécutée par quelque chose. Par quoi donc? Tu ne devrais pas te retrouver ainsi sans toutefois me dire ce qui ne va pas. Je suis ton partenaire de vie et en tant que tel, tu te dois de ne rien me cacher. On ne doit pas vivre dans des cachotteries. Tu te dois de tout me dévoiler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un aspect de ta vie que tu n'arrives pas à cerner, tu me dis, tiens, voilà, chérie, j'ai tel souci. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Oh là là. Mais vas-y, vomis. Crache le morceau. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai dit, je n'ai plus trop de temps. Je C'est dois partir. compliqué, c'est très compliqué. Faut vraiment que tu prennes encore un peu de ton temps, que tu restes vraiment là à m'écouter. C'est très compliqué. Je sais même pas par où commencer. Tu veux parler de quoi? Hein? Il y a quoi? Oh là là. Ce qui arrive souvent aux gens là, c'est ce qui est en train de m'arriver. Il y a quel souci? Tu as quel problème? Hein? Tu te souviens la fois où je t'avais demandé de venir dormir ici, tu n'es pas venu. La fois où on est venu voler chez moi là. Oh là. La nuit où les bandits sont venus ici chez Écoute, moi. écoute, je sais déjà où tu vas en venir. Tu veux parler. Du Voilà. viol. Oh là. L'un de m'a violée. Je sais, tu m'as parlé de cela, mais tu m'avais dit que tu avais remarqué un visage, n'est-ce pas?
J'ai remarqué le nous sommes allés donc. Alors nous sommes allés à la et à la brigade et au commissariat. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à l'heure actuelle? Mais écoute un peu, la loi, tu ne sais pas comment elle agit. La loi est un monstre froid, tu comprends un peu. La loi est un monstre froid, tout simplement. Toi, pendant que tu te dis qu'ils ne font rien, ils travaillent, ils ont leur façon de travailler. Laissons-leur faire leur travail, c'est pas à nous de leur enseigner comment faire leur travail, alors que nous, nous ne sommes pas concernés par la chose. On est allé se plaindre, effectivement. Et je t'ai dit dès ce moment-là, restons en prière. Je ne voudrais pas que tu gardes en toi les séquelles de cet abus sexuel. C'est arrivé. C'est comme si Dieu a tourné le dos à nos prières. Ça veut dire quoi? Explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est plus grave que le viol. Vraiment, c'est plus grave. Attends. Tu as chopé une infection? J'aurais préféré parce que l'autre là, il pouvait soigner. Oui, parce que tu m'as dit qu'il t'avait violé sans préservatif, en plus. Hein? Et je t'avais dit de rester tranquille, je ne peux pas te quitter pour un tel cas. Il s'agit d'un abus, nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre cette personne et faire payer le prix voilà de sa bêtise. Présume-toi que mes règles ne sont pas venues. Attends. La date des règles a traversé déjà de 4 jours. J'ai fait le test comme les femmes font à la maison. Le test révèle que j'ai un retard. Tu es enceinte? Hein? Réponds-moi, tu es enceinte? Hier, je suis allée en pharmacie. Maintenant, prends un test de la pharmacie. J'ai également fait un second test qui est toujours sorti positif. C'est pas possible, ça. Maintenant que je suis enceinte de mon violeur, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Voilà ce pourquoi j'ai passé toute la nuit à réfléchir. Mais attends un peu. Est-ce que c'est... Voilà l'une des raisons. C'est, non, de c'est ton même angoisse. La raison oui, oui, pour laquelle j'ai insisté pour que tu viennes dormir ici. Non, mais attends, je te comprends parfaitement. Tu m'aurais dit ça quand je suis même arrivé. Mais bon, c'est vrai, c'est un gros problème. Mais maintenant, tu me poses... Le problème ici, c'est le vieux, mais tu me poses la question de savoir maintenant que tu es enceinte. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais attends un peu, tu vas porter en toi le fruit de la honte? Est-ce qu'il y a deux choses? Est-ce qu'il y a une réflexion? C'est pas un sujet à réflexion. Tu vas avorter. J'ai pesé le pour et le contre. Mais tu vas avorter tout simplement, c'est un détail. C'est pour ça que je réfléchissais. Alors c'est simple, aujourd'hui non, même. Tu connais que nous sommes en couple 3 ans déjà. On a déjà cherché l'enfant fatigué. On a dit que moi je n'ai pas de problème. Mais toi, tu as un petit trouble là qui fait en sorte que je n'arrive pas à concevoir. Attends, on est en train de se soigner, n'est-ce pas? On se soigne, mais qu'est-ce qui nous prouve que ça va donner? Attends, tu veux me dire quoi là? Tu es en train de parler de quoi? Moi, je n'ai pas de problème, mais je me soigne aussi parce que tu te soignes. C'est toi qui es véritablement le problème. Attends un peu. Nous le savons bien. Attends, ne me fais pas penser que ce n'était pas un viol. Hein. Attends. Tu vas faire quoi là? Mais je suis en train de te dire, tu vas te faire avorter aujourd'hui même. Puisque c'est juste, je crois, c'est à quelques jours là. Ça veut dire, et c'est un petit bout de sang. Et si me fait avorter? Il y a quoi? Je venais à perdre ma vie. À combien de jours? On interrompt ça, on va à l'hôpital et puis ce sera fait de façon professionnelle. Un jour. Ce sera et fait, non, mon amour. Ont payé le prix. J'ai dit, ce sera fait de façon professionnelle. Qu'est-ce qui te prouve que moi, je vais m'en sortir? Et tu voudrais que je fasse quoi par rapport à cela? Tu veux me faire admettre quoi? Que tu peux porter en toi le fruit de ce viol? Que tu peux porter en toi le fruit de la honte? Papa. Hein? Quelqu'un te viole, il t'engrosse et tu me fais savoir l'enfant que... L'enfant est innocent. Merde. Pendant qu'on cherche le violeur, si on venait à le prendre, il ira en prison, il va payer le prix. Mais l'enfant n'y est pour rien là-dedans. Attends un peu. Et comme nous cherchons l'enfant, je pense que c'est aussi un moyen pour avoir l'enfant. C'est peut-être l'enfant le signe du... que Dieu nous a envoyé pour avoir quel l'enfant. Quel signe?
Quel signe? C'est par ce moyen peut-être que Dieu a dit que nous, on devait avoir un enfant. Je suis désolé. Le plan de Dieu est parfait. Il n'est jamais tordu. Il est parfait. Dieu ne connaît pas le labyrinthe. Si en avortant, demain ou après-demain, je ne parviens plus à concevoir. Mais où est le souci, mon Qu'est-ce amour? Qu'est-ce qui te fait croire que ceci n'est pas mon premier et mon dernier enfant? Écoute, nous allons faire simple, madame. Aujourd'hui même, je dis, tu vas aller te faire avorter. Ça, je te le dis. Et après ça, nous allons faire une insémination artificielle. Dussé-je accepter que tu prennes le sperme de quelqu'un d'autre? Hein? Et puis qu'on te fasse une insémination artificielle, tout au moins que ce soit de façon consentie entre toi et moi. C'est quoi cette façon-là? Tu veux me faire accepter quoi là-dedans? Tu vas garder en toi un brigand, un futur prisonnier, un futur bandit. Comme ça hein? Peut toujours être un futur président. Qui a dit? Qui a dit? Sorti d'un viol? Hein? Ce sont ces enfants-là même qui réussissent dans la Attends un peu. Je ne sais pas. Tu as décidé de faire chemin seul dans cette vie. Tu ne veux pas vivre avec moi. Tu te poses un peu la question de savoir, là, quand tu vas mettre cet enfant au monde, il va venir. Tu es sûr de pouvoir aimer cet enfant? Hein? Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que moi je vais le regarder, je verrai en lui ton violeur? Toi-même, à chaque fois qu'il va commettre une bêtise, tu verras en lui ce même violeur. Comment est-ce qu'il va grandir au milieu de nous? Il n'y aura pas harmonie. Il ne peut pas grandir dans l'amour entre toi et moi. Papa, ça, c'est ce que toi tu dis. C'est ce que toi tu es en train de dire. Wow. Moi, avant de t'en parler, j'avais déjà pris la résolution. Tu fais quoi? De garder la grossesse. Tu ne vas pas garder. Je suis désolé, tu ne vas pas garder. Je vais la garder. Je t'ai dit sincèrement que tu ne vas pas garder cette grossesse. Peu importe ce que cela va me coûter, je vais garder cette grossesse. Ah, ça voudrait dire ici quelque part que moi je suis donc fou. Ça veut dire que quelque part tu sais qui est véritablement le père de ton enfant. Parce que moi je ne te vois pas en train d'accepter, d'accord, c'est ton violeur. Demain... Quand tu verras, je saisis juste l'occasion. Je t'ai posé une question. Quand on finira par trouver, parce qu'on va le trouver, on va trouver ce violeur-là, tu feras quoi? Tu vas cacher son identité? Tu vas taire pour qu'on ne sache pas que c'est lui? Et oui, comme tu dis qu'on va... Tout le monde saura que c'est ton enfant. Et tu vas l'envoyer en prison. Tout le monde obligé de savoir que... Tu diras à l'enfant toi, quoi demain? Tout le monde obligé de savoir que c'est pas toi le géniteur. Ah, donc c'est un secret que nous allons garder. Voilà. N'est-ce pas? Le secret d'un enfant né d'un viol. L'enfant ne le saura jamais. N'est-ce pas? Non, je suis désolé. Cet enfant n'aura jamais mes comportements. Il viendra avec des agissements d'un vulgaire bachibouzouk, hein, un vulgaire mercenaire. Et puis, non, je suis désolé. C'est toi qui vas éduquer l'enfant. Je suis désolé, madame. Donc, l'enfant va faire ce que toi, tu vas lui inculquer. Ne m'amène pas ça, s'il te plaît. Pour tout l'amour qui nous unit, s'il te plaît, pensez-y. Pensez véritablement qu'il faudrait... Dit. Non. Je dis, je ne veux pas de cela. Ma décision. Tu es calé sur ta décision. J'ai pris beaucoup de temps. Oui. Pour vraiment me décider. Et je me suis déjà décidé. Je ne reviendrai pas sur ma décision. En tout cas, Dieu est grand. Hein? Dieu est grand. Je pense pertinemment que mes prières sont en train de payer. Parce qu'il est en train de me montrer ton vrai visage. Les miennes aussi sont en train de payer. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu décides de garder ton enfant. C'est ta décision. Tu es persuadé, c'est-à-dire que toi-même tu sais que dans cette vie, il est fort probable qu'on n'ait jamais d'enfant. Pourquoi on peut adopter? Où est le souci? Est-ce Pourquoi qu'on adopte pas? L'enfant qu'une autre femme a eu à main comment? Où est le problème? Nous allons l'aimer d'un amour vrai, d'un amour innocent. Mais celui que tu portes en toi là, c'est le fruit d'un viol. Le comportement d'un homme que tu ne connais ni la provenance. Il n'y a pas de problème. Nous irons adopter. Mais ici, je au dis... moins, on connaît qui est la mère. Ah oui. Ah oui. Et on connaît aussi que le père, c'est un violeur. Un prisonnier. Nous sommes les seuls à le connaître. Hein? Et tu ne sais pas que tout cela va nous poursuivre toute la vie. Hein? Tu ne sais pas ça. Monsieur, je suis... Tu sais qu'il a déjà violé combien de femmes? Tu sais qu'il a même déjà peut-être tué combien de personnes? Je ne veux pas... Tu veux nous amener dans... Tu veux nous amener... Tu veux nous traîner tout droit dans l'inceste? C'est le gâteau qui m'intéresse. Le reste là, je le suis quoi? Pas dedans. Tu as dit quoi, le c'est quoi? C'est un cadeau qui m'offre. Un cadeau empoisonné? Dis-moi un peu. Il t'offre un poison carrément, et puis toi, tu es d'accord de le prendre et tout? À t'entendre parler... Je vois que tu n'es pas d'accord. Je ne veux pas qu'on s'asseye pour débattre sur ça pendant des jours. En tout cas, tu as compris? Voilà ma conclusion. Si tu vas prendre la décision de me quitter parce que
Je compte garder cette grossesse. Vas-y, fais-le. Ok. Je ne vais pas t'empêcher. Je ne compte même pas t'arrêter. D'accord. Ce que nous allons donc faire, moi, j'ai la crainte de l'Éternel. Et ayant cette Incite-moi. crainte de l'Éternel, c'est vrai que j'ai parlé Je ne suis pas la d'avortement. meilleure J'ai servante du parlé diable. d'avortement et tout. Je suis désolé. Tu n'es pas quoi? Je ne suis pas la meilleure servante du diable. Il n'y a pas de problème. Tu as décidé de garder ton enfant, le fruit de ton rapport avec ton violeur. Parce que si je vais même plus loin, je ne serai pas surpris un jour qu'on me dise que ce rapport a été consenti et que toi tu me parles de viol aujourd'hui. Peut-être c'est une infidélité que toi tu détournes et que tu transformes en viol. Il n'y a pas de problème. Ce que je vais donc faire en noble bantou, moi, je ne permettrai jamais que ma femme porte en elle, qu'elle garde, qu'elle accouche La femme, tu le m'as fruit adopté d'un où? viol. Tu m'as adopté où? Je Madame. suis là, ne fais que supporter ça. Tes infertilités, je supporte. Tu m'as même pas encore adopté. Je ne suis même pas sûr que c'est moi que tu viendrais épouser. Il n'y a pas de problème, madame. Ce que je vais Donc, faire tu es là. libre de prendre ta route. D'accord, je vais prendre ma petite place. J'espère tout au moins que tu as les moyens de ta politique, ou alors la politique de tes moyens. Parce que, à Je vais t'entendre me parler, battre. ok, tu vas te battre comme une femme. D'accord, il n'y a pas de problème, madame. J'ai été ravi de faire ma vie avec Toutes toi. celles Ça, je que te le les hommes ont dis. enceintées et ont fui, ils ont refusé les responsabilités là. Les enfants là ne vivent Tu es pas. honnête là? Elles ne se sont pas sorties. Attends, tu es sérieuse Je veux toi? aussi m'en sortir. Regarde-moi dans Je les yeux, ferai s'il te partie de plaît. cette catégorie Ok, là. regarde-moi dans les yeux et dis-moi La que tu gardes cet catégorie des enfant. femmes que les hommes ont enceintées et n'ont pas assumé leurs responsabilités. Je te pose encore une question. Tu as été violée, oui ou non? Oui. Tu es enceinte, oui ou non? Bien sûr. Enceinte de ce violeur, oui ou non? Et Tu gardes cet enfant? voilà. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Je prendrai le temps de pouvoir m'asseoir et de me Je poser la suis là, question je de vais savoir pas pourquoi tout saisir ceci m'arrive. Mais l'opportunité. il n'y a pas de souci, c'est Parce que non, l'opportunité. il faut que D'accord. non, je Il vais n'y a faire pas les de problème, coutumes, ne fais madame. Je suis désolé, supporter. hein. Je suis désolé. Un arbre qui ne produit pas de fruits. Ok, je Je vais prendre reste mon là sous sac. l'arbre là que je vais qu'on manger quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Reste avec le fruit de ton viol. Tu as bien parlé de 3 ans. 3 ans, Oui. ce n'est pas 3 jours. Mais si tu vois une femme balayée de la main, une relation de 3 ans comme ça, pour une bêtise comme celle-ci, il faut se poser des questions. Alors, Oui. avant que peut-être je ne sois moi-même peut-être victime de ce poison, ou alors d'un empoisonnement venant de vous deux, parce que je le répète, je le dis encore très haut et très fort, je sais que tu connais bien qui t'a fait cela. Et je pense plutôt à une infidélité. Je penche pour l'infidélité. Tu comprends? Je pense que tu as accepté de coucher avec un autre et d'être enceinte parce que je ne fais pas d'enfant. Il n'y a pas de problème. Et tu as simplement transformé cela en un viol. Tu m'as fait Oui, croire par que un non. vieux là. Voilà, j'ai été violée. Oui, Tu as je me maquillé. suis blessée Il aussi. n'y a pas de problème. J'ai C'est toi fait qui tout. sais, Oui. madame. Il n'y a pas d'ennui, hein. Je m'en vais. Reste là. Que le bonheur soit avec toi. Reste avec le Que fruit de le ton Seigneur viol. aussi soit Donc, va avec là-bas toi. avec ça. Toi, Tu me viens fais là-bas regretter avec beaucoup ça. de choses quand tu Parce que entends les ça. enfants issus du viol ne sont pas des enfants. Ne changerai pas ma décision. Même ma famille va me soutenir.